Hadouken! Bienvenue dans le petit monde de Calice. Alors oui, j'ai changé de décor car j'ai aménagé dans un appartement en colocation pour ma dernière année de BTS. Car à l'internat, je me voyais mal vous tourner des vidéos. Bref, aujourd'hui, on va parler des voyages en train. Non, pas pour les retards car cela arrive à tout le monde. On va plutôt parler des voyages en train pour les gens que l'on peut y trouver. Et je vous assure, vous n'allez pas être déçus du voyage. Par exemple, dans un train, on peut se trouver ces gens-là, les gens qui en font qu'à leurs aises. Par exemple, on peut trouver ce type de gens, ou encore ce genre de personnes, ou encore un qui m'est récemment arrivé. Mais celui-ci, je préfère vous le jouer. Il est tellement hippie. Bonsoir, vous êtes d'origine espagnole ? Quoi ? Car votre tête ressemble à une boule de nougat. Vous êtes ravissante. Une boule de nougat. Une boule de nougat. Une boule de nougat. Spéciale dédicace pour les trois bâtards de leur mort qui m'ont tombé dessus. Le sang de leur mort, le Joe. Je pense même que t'as pas dû fumer que du tabac dernièrement. Je m'en prie, gros. Enfin bref, ça me regarde pas. Voilà, je vous ai raconté ce que j'avais vécu dans le train. Donc c'est sur cela que se termine le petit blog, le petit monde de Calice. N'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter, à partager, à commenter si vous avez vécu vous aussi des choses dans un train, comme des personnes que vous connaissez pas, venez vous adresser la parole et que je n'ai pas cité parce que là j'ai cité, voilà, j'ai cité 3. Donc n'hésitez pas, liker, commenter, partager et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Ciao tout le monde.